6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h33, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à être à l'heure. Pourtant, d'habitude, on est pile à l'heure, je sais pas ce qui se passe. Les Maroon 5 arrivent juste après les infos sur Énergie et on va parler de trois mecs qui ont trouvé comment faire de l'argent sans rien faire en étant posé le cul sur un canapé. C'est un truc incroyable. On en parle juste après les infos maintenant. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, on a souvent la tête dans le brouillard ce matin le long du Rhône et de la Durance. Sur l'intérieur du 84, le soleil se montre déjà et il l'emportera le plus souvent cet après-midi partout sur quelques passages nuageux. Les températures en hausse vers 16 degrés max, il ne fait que 2 de suite à Carpentras. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile, zone de fond couverte à Avignon. Peu de buts, mais une belle prestation de l'équipe de France de foot hier. Les Bleus ont emporté 1-0 en amical face à la Suède grâce à Varane. Il faudra patienter jusqu'au printemps pour les retrouver dans un véritable test match face au Brésil. Hors du terrain, deux affaires ont conduit à pas mal d'interpellations hier, concernant notamment Jean-Marc Conrad. L'ancien président de l'ACR Lavignon et actuel de Nîmes est suspecté pour une affaire de match truqué. Il y aurait eu quelques arrangements pour assurer le maintien en Ligue 2 des Crocos. 8 autres personnes sont également interpellé. Et puis du côté de Marseille, pas de suspicion de match truqué là, mais de transfert de joueurs. Ceux de Nasri, Drogba et Gignac auraient donné lieu à plusieurs fraudes. Le président Vincent Labrune et ses prédécesseurs ont été entendus hier. L'actu, c'est également un garagiste, un expert et un contrôleur technique placé en garde à vue dans le 84. Ils sont soupçonnés d'être les maillons d'un vaste trafic de véhicules. Ils réparaient puis revendaient des voitures déclarées irréparables. Les réparations se faisant plus avec des pièces parfois volées. Ils sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. Des chambres d'hôtes condamnées à la destruction à Gordes. Décision hier du tribunal correctionnel d'Avignon. Les bâtiments du mas de la tannerie ont été illégalement construits. Ils doivent être rasés d'ici 3 mois. Ils abritaient des chambres à 220 euros la nuit. Le blockbuster de la semaine, le troisième volet de la saga fantastique Hunger Games débarque aujourd'hui dans les salles avignonnaises. Dans cette première partie de la révolte, Katniss va mener une rébellion contre le pouvoir en place. Côté musique, Lord a dirigé la bande originale. La chanteuse interprète même le titre Yellow Flicker Beat, un morceau qui a séduit l'héroïne Jennifer Lawrence. Je crois sincèrement que la première fois que j'ai entendu cette chanson de Lord, Yellow Flicker Beat, j'en ai eu la chair de poule. Quand on lit les livres Hunger Games, on se fait une idée des émotions que traverse Katniss. Mais là, tout à coup, c'était comme entendre ce qu'elle ressent. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais je trouve qu'elle a interprété ça en chanson, comme par magie. Katniss serait une vraie fan de Lord. Et Hunger Games, c'est dans les salles donc dès aujourd'hui. Et 36 minutes, bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9 avec vous, on est mercredi, c'est le 19 novembre, aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale pour nous, parce que c'est le jour des sondages radio. Oui. Qu'est-ce que c'est que le jour des sondages radio? C'est un jour où en fait on reçoit un peu notre bulletin de notes comme à l'école. Ouais. On nous dit vous avez redoublé, vous allez passer en classe suivante, oula, ça pourrait être brillant. Ouais. C'est tous les 3 mois, il y a ce qu'on appelle les sondages radio, où on a l'audience. Mmh. À la télé, ils ont ça tous les jours. Donc ouais. C'est horrible. Tous les jours à 9h tu regardes les trucs de la veille, alors comment on était, voilà, l'angoisse, bref, tu deviens complètement taré. C'est ça. Nous on n'est pas complètement taré, c'est uniquement tous les 3 mois. Oui. Et on a eu les sondages qui sont arrivés aujourd'hui et Énergie est encore une fois première radio de France. Oui. Alors, d'habitude on est premier tout seul, là on est premier ex-aequo. Ah. On est premier ex-aequo avec RTL. Bon, ah oh. Putain, ils font la même chose que nous. Faudrait qu'on écoute pour savoir ce qu'ils font le matin. Bah oui, c'est vrai. Oh merde. Je crois pas. Hein. Avant on était premier tout seul, maintenant premier avec RTL. Mmh, oh, ça me tracasse. Oriane, on peut écouter, essayer de reproduire peut-être ce qu'ils font, s'adapter, faire un peu d'informations. Je sais pas si on sera très bon, hein, mais. Bah, il faut faire, ce qu'ils font, il faut faire des chroniques. Ouais, des chroniques. Des chroniques mode. Oh, des chroniques livres. Oh, politique. Oh là là, oui, il faut faire des interviews. Oh mince. Vous savez quoi, c'est pas grave, je préfère être premier ex-aequo. Je veux bien partager avec eux. Vous faites tous les trucs chiants. Ouais. Nous on fait tous les trucs cool et on reste comme ça. On est là avec vous dans 3 minutes sur Énergie. Il y a le Super 06 qui arrive. Ce sera juste après les Maroon 5. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de 3 personnes qui gagnent leur vie en étant le cul posé sur un canapé. Ouais. Ça peut paraître assez incroyable et pourtant si.
trois mecs se sont retrouvés dans une colocation. Ouais. Et ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Donc ils ont réfléchi et tout. Et en fait, leur point commun aux trois, c'est qu'ils aiment jouer aux jeux vidéo. D'accord. Mais ils sont pas spécialement bons. Et ils ont eu cette idée. Si tiens, si on mettait 20 caméras dans notre appartement, ouais, et qu'on se filme 24h sur 24 en train de jouer aux jeux vidéo. J'ai dit, ouais, bon, pourquoi pas, est-ce ouais que les gens vont voir aimer ça? Eh ben oui. Les amis, ce sont trois personnes de 20 ans qui, aux États-Unis, en Floride, ont monté leur appartement 24h sur 24 filmé et on ne voit que sur un canapé, posé le cul, en train de jouer aux jeux vidéo à tout moment. Et ils se relaient comme ça tous les 8 heures. Oh là là, mais oh là c'est là pas là intéressant. Bah écoute, je l'ai devant les yeux parce que c'est 24h sur 24. Ouais. Bah t'as un mec qui est là, qui discute, qui joue à un jeu vidéo posé sur son canapé. Oh, c'est fou. On vous met tout ça, le lien pour aller les voir en direct et toutes les infos sur Manu dans le 69.com. Ils se font des milliers d'euros chaque mois. Incroyable. Parce qu'il y a de la pub. Ouais. Et que les gens. Bah ouais, ouais. Eh ben oui, ouais, quand ouais, tu ouais sais que t'as 100 000 personnes qui te regardent, ouais, bah t'intéresses du coup les sponsors quoi. Oriane ? Mais quel est l'intérêt pour celui qui regarde ? C'est la question. Bah je sais pas. Moralisation ? Bah si, parce que c'est un défi pour eux, même s'ils sont nuls, c'est la partie la plus longue du monde quoi. Et du coup tu regardes en disant j'espère qu'il va dormir. Ah mais non, qu'il va dormir. Mais non, ah, parce même que, mais non, pas du tout, parce qu'en fait chacun arrive, il joue à son jeu. Ah d'accord. Ah non, c'est... mais non, justement, parce que tu pourrais dire ouais je vais suivre bah comment oui il joue. Mais non, parce que les mecs jouent pas spécialement bien. En plus, non mais vraiment, c'est absurde. C'est comme si moi, voilà, c'est comme si Mourad, Nico et moi, on se posait, on se disait, vous allez nous filmer 24h sur 24 en train de faire de la couture. On n'est pas spécialement bon. Ah bah non. Mais les mecs sont assez marrants, et puis ils discutent, et puis quand ils perdent, ils s'énervent, enfin ouais voilà quoi. C'est la vie, la vraie vie. Et ce qui est drôle, c'est que les gens, en fait, non seulement ils leur font gagner de l'argent, mais en plus, ils leur offrent des cadeaux. Par exemple, le mec, il dit, oh putain, j'ai faim, hop, les gens vont commander des pizzas pour eux. Oh, c'est des génies, hein, quand même, ces mecs-là. Ouais. Hein. Les mecs sont très forts, et ils disent, en plus, ils l'avouent, ils disent, écoutez, honnêtement, on est tellement nuls en tout que c'est le seul moyen qu'on a de gagner de l'argent. Je trouve ça super drôle. Toutes les infos et la vidéo en direct 24h sur 24, on vous met tout ça sur manudans69.com. On est mercredi, c'est le 19 novembre, bienvenue sur Énergie, voici les Maroon 5. Baby, I'm just ça, ils ne sont pas sur Internet. C'est Manu dans le 69, c'est Énergie, bon réveil, bienvenue.